pense. En attaque, première mi-temps, on a eu vraiment beaucoup de réussite. Mais du coup, sur la fin, on craque avec la pression. Le score est serré et du coup, on n'arrive plus à développer notre attaque. En défense, on est encore pas mal, je pense. Mais sur l'attaque, on n'a plus de réussite à cause d'une zone qui nous bloque complètement. Et du coup, on perd le match là-dessus. Je trouve que c'est dommage. Le score ne reflète pas vraiment le match. Quoi, mais voilà. Comme Lucie l'a dit, on fait une grosse défense, on tient vraiment en défense, je pense qu'on a vraiment le niveau de la R1 au niveau de la défense. Après oui, on pêche en attaque, on pêche, ouais, et je pense qu'elles sont plus lucides que nous sur la fin du match, où nous on panique, on joue plus vite, et du coup elles prennent le devant et c'est fini. C'est dommage. On les tapera chez elles au moins. Après, c'est vrai que je pense que toute l'équipe est déçue, on est toutes déçues. On tenait ce match et il nous a échappé. On n'arrivait plus, on faisait comme Nat nous a dit, on ne faisait plus d'écran, on ne jouait plus. On ne jouait plus notre jeu en attaque, on était moins lucide, on était moins offensive. Et du coup, on tenait en défense, mais elles ont aussi réussi. Et voilà, ça explique. Je pense qu'il y a pas mal d'écart sur le dernier carton. Mmh. Les cartes de points, c'est là où on perd. Sinon, les trois cartons, je sais pas ce que tu en penses, Nat, ça tenait la route. C'était un beau match de R1, je pense. Mais on verra ce que ça fait, du coup, pour le prochain match à la Jeune. Enfin, contre la Jeune. C'est un exercice difficile aujourd'hui, un match très difficile parce qu'on l'avait en main, quoi. Je pense que la différence, elle se fait à l'expérience. Nous, on arrive en R1, on n'a pas l'expérience de ce genre de match qui est tenu. C'est le premier match de R1 où on arrive au score à tenir, à être devant. C'est vrai que les autres matchs se sont joués à 20 points, même si on a fait évoluer notre jeu, l'écart y était, il n'y avait pas photo. C'est le premier match où on arrive à être à droite. Et donc à être récompensé de tous nos efforts. Il y a 3 minutes de trop dans le match. Quoi. Je pense que dans les têtes, va falloir qu'on réagisse très vite parce que ça va faire du mal, l'air de rien. On aurait mérité ce soir, mais bon, c'est le sport, c'est comme ça. Après, il faut qu'on l'analyse dans l'autre sens en se disant qu'on a tenu 3 cartons et demi, que pendant 3 cartons et demi, on a mis en place un beau jeu d'attaque, qu'on a fait une défense énorme, qu'on a défendu fort, 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 comme je l'ai dit 15 000 fois. Je pense que la petite différence, ouais, elle se fait à l'expérience parce qu'on voit qu'elles reviennent au score. On le sent sur les shoots. Hein. Les shoots, ils sont plus aussi sereins qu'au début de match. La finition, elle n'y est pas. On le jette, on se débarrasse du ballon. Voilà, et du coup le shoot il est à côté, alors que pendant 3 cartons et demi il était dedans. C'est un peu cette différence qui nous fait mal parce que on voit grignoter le score. C'est vrai qu'à plus 10, normalement, n'importe quelle équipe gère un petit peu cet écart en disant c'est plus notre jeu de jouer vite, on va poser, on va prendre le temps. Sauf que nous on s'affole pas, au contraire. On prend le temps en ne plus jouant. Donc on se dit, on prend le temps, on joue à la baballe, on fait la passe, on ne fait plus d'écran, on ne joue plus ensemble. Oui, ça fait tourner le chrono, sauf que ça le fait tourner à leur avantage, parce que nous, on ne met pas de points et elles en mettent. Voilà, c'est dommage, mais ça reste encore un gros, gros match ce qu'on fait. On en fait 4 de suite. Les 3 premiers ne sont pas révélateurs par rapport à l'écart de score. Celui-là est plus révélateur parce que l'air de rien, c'est une belle équipe de R1 en face et il n'y a que 6 points. Donc c'est pas non plus un match ridicule, c'est pas un score ridicule. Maintenant, quand on mène de 10 points, là, ça fait mal. Voilà.